Organisée dans le cadre de la concertation pour le plan local d'urbanisme de la métropole, la balade numérique du PLU vous emmènera dans 6 lieux différents, représentatifs de la diversité des paysages et des formes urbaines sur le territoire métropolitain qui comprend 21 communes. Tout d'abord, au plan d'eau de Cournon d'Auvergne, pour évoquer la place à donner à cet espace de plein air multifonctionnel qui pourra à terme devenir un espace métropolitain majeur de nature et de loisirs. À Lande, le site des Barthaux nous permettra d'évoquer les enjeux de la consommation foncière et les nombreuses interactions entre ville, nature et agriculture. Le secteur Charles de Gaulle à Pont du Château est situé en centre-ville. Un projet de renouvellement urbain est en cours. Comment refaire la ville sur la ville en répondant aux besoins des habitants? Dans la cité Michelin des Pegues, construite à Gerza au début des années 1960, nous évoquerons la question du patrimoine bâti du XXe siècle. À Sébaza, le site de l'enclos de la Sarre comprend des parcelles de vignes situées dans le centre-bourg. Le futur PLU de la métropole doit-il préserver et encadrer les secteurs à forte valeur paysagère comme celui-ci et comment? Enfin, la commune d'Orcines. Elle est située sur le territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et dans le périmètre UNESCO Chaîne des Puits, Faille de Limagne. Comment prendre en compte les questions de paysage et d'agriculture pour imaginer les formes urbaines de demain ?